moment-là qu'on voit qu'une équipe est soudée. C'est malheureusement c'est tragique ce qui nous est arrivé, c'est tragique pour sa famille, pour le monde du rugby. Voilà, se remobiliser, c'était, on va dire, c'était la chose qu'on avait à faire pour affronter ça tous ensemble, aider ceux qui en avaient besoin. Et puis je pense que tout le monde avait besoin de vite rejouer au rugby, contrairement à ce que certaines personnes ont pu dire dans les médias, sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que la meilleure façon d'oublier ses peurs pour ceux qui en ont, des craintes, c'est de remettre de suite les pieds ou les mains dans le cambouis. Ce soir, c'est chose faite. On l'a fait je pense quand même d'une belle manière, et on a rendu un bel hommage à Louis. C'est l'apothéose d'une semaine extrêmement difficile. Hein. Vous savez tous ce qui nous est arrivé. Bon, ben, voilà, je crois qu'à travers la victoire, je crois qu'on avait envie de rendre hommage à Louis. Je crois qu'on l'a fait de la meilleure des façons, à travers le comportement de chacun des joueurs. Bien sûr, on avait envie de gagner ce match. Mais on s'était attaché, voilà, à ne pas tricher, à faire ce que lui aurait fait sur le terrain. C'était un grand combattant, eh bien, on a combattu. Il n'aurait jamais rien lâché, on n'a rien lâché. Voilà. Et je crois qu'on ne pouvait pas lui rendre le plus bel hommage. Et en plus, il y a la victoire contre sûrement ce qui sera les équipes phares de cette poule. Donc voilà, pour nous, oui, c'est une journée riche en émotions et qui se termine de la plus belle des manières. Donc on est extrêmement content.